Et d'après ça, là, pour nous parler de nouveaux sports, bonsoir et bienvenue pour suivre. Nous voir football pour commencer. Referee Stéphane Ducasse, il retourne Cécile après participer au tournoi COSAFA qui fait de bonne Sud-Afrique. Comment est assistant referee? Ce tournoi fait entre les 5 à 16 Samoans. Stéphane, il affiche dans 4 matchs sa tournoi, inclut match 3e place entre Malawi et Sud-Afrique. Stéphane Ducasse retourne Cécile après sortir pour un pas comme un assistant referee de bon match tournoi COSAFA qui a fait de bon Sud-Afrique entre les 5 Zilliers et les 16 Zilliers de Samoa. Stéphane est un assistant referee dans 4 matchs sa tournoi qui inclut match 3e place qui a joué entre l'équipe Malawi et Sud-Afrique. Ducasse y a ajouté qui ça parti son premier compétition internationale et il aussi décrit son expérience comme un qui est vraiment excitant. Il nous aussi fait sortir qui sa compétition qui est vraiment à la hauteur. Moi aussi, je même si je la guerre, je suis aussi champion. Il est vraiment excitant à aller au tournoi. Il a beaucoup avancé, il a plus d'expérience de carrière et de on va se plier. Il m'a fait 4 ans assistant et de après une réserve pour la semi-finale. On fait une troisième place hier, dimanche, pour le Sud-Afrique qui bat Malawi au penalty. Non, il n'est pas mon premier football international. Il est mon premier compétition internationale que je préfère pour savoir. Sinon, il est le premier qu'on peut faire actuellement. Son expérience de sa tournoi à COSAFA, il a grandi son expérience de son carrière comme un officier referee. Pour son participation dans sa compétition COSAFA, Stéphane Ducasse t'a présenté avec une médaille. Dans bodybuilding, trois bodybuilders in kit pays ont sorti bon matin pour Sud-Afrique. Côte là-bas, ils participent dans la compétition Night of Champions. Tous les trois, pas nouveaux avec sa compétition. L'année passée, Rodney Henriette termine une médaille pour Cécile. L'équipe Cécile, y compris trois bodybuilders, qui pour participer de la compétition Night of Champions. Ça, c'est Rodney Henriette, Jolene Valentin et Alain Rosalie. Rodney, qui en salle sa délégation et capitaine de l'équipe, pour participer de la catégorie pour en bas 80 kg et master par là aux 40 ans. Rodney, tu fais vraiment bien de sa compétition l'année passée. Côté Cécile, tu participes avec 5 bodybuilders. Il te remporte médaille de catégorie master par là aux 40 ans et aussi une médaille bronze de catégorie pour en bas 80 kg. Jolene Valentin participe de catégorie 90 kg et master par là aux 40 ans. L'année passée, Jolene, tu finis 5e de catégorie master. Alain Rosalie, qui lui aussi pas nouveau pour participer de sa compétition Night of Champions, pour participer de catégorie masculine et classique physique. Alain, tu sortis 3e de catégorie men's physique l'année passée. Dans le volleyball en bas 15, pour bander l'école, c'est l'équipe Pralin qui peut dominer le classement pour tous les défis et garçons. Dans ce match, pendant le week-end, nous avons une autre victoire pour l'équipe La Digue. D'abord, dans le match fille, Pralin fait victoire 2-0 pour La Digue et c'est le même score que l'équipe garçon Pralin qui bat l'équipe La Digue. On nous complice à travers un reportage d'Yad Boniface. Dans le match pour la fille en bas 15 ans, c'est l'équipe Pralin en or qui montre les autres domination. Même si ça l'équipe type de la digue, Zouta prend contrôle le premier set. Pour Zouta porte sa set, le score 25-13. Dans le deuxième set, ça l'équipe Pralin y reste sa l'équipe plus dominant. Mais tout de même, la digue y montre un peu plus résistance dans sa 1-7. Mais Pralin, le Zouta service y reste désiré et Zouta type plus ou moins fait bon point facile. Et la force l'entraîner la digue pour prendre un tomo. Mais après ça, la digue y a un peu, Zout retourne un peu de sa match le score 13-17. Mais Pralin y garde bien Zout en concentration. Zout répond en contrôle sa 7, mais un score bien de Zout à l'avantage. Pour Zout remporte sa deuxième 7, le score 25-22, et remporte sa match par 17 le 0. On t'explique un petit peu. Il te voit un peu taille à cause de la digue home. Mais seulement nous avons un petit peu consistant. Comme si nous avons un bon match, mon frère ici de la digue. Et encore, il m'a donné un petit plaisir, il y en a un talent. Le match est assez intense. Nous avons
faire assez mieux. Ouais, on traîne tous les jours et aussi training team maintenant. Pour bon garçon, encore là, c'est l'équipe Pralin, toujours en noir, qui domine sa rencontre. Et c'est à côté d'autres totalement mettant l'équipe la digue en bas contrôle. Coup de là, ça l'équipe en zone, plus loin qu'ils ont arrivé le score, c'est seulement 5 points, parce que Pralin qui remporte sa première set, le score 25-5. Dans le deuxième set, quelque chose qui est un peu balancé entre sa de l'équipe. Tout de même, c'est l'équipe Pralin qui prend l'avantage 6-4 l'équipe la digue bonnet de sa deuxième set. Au cours là, plus petit joueur au cours, qui peut causer problème de quand l'équipe la digue, surtout avec son service. Mais la digue, zot garde zot concentration, zot même costé sa l'équipe le score 18-10. Pralin pas envie de perdre sa set, zot répond en contrôle sa match. Les scores n'arrivent à 20-14, Simon là, ça l'équipe en noir qui peut diriger vers victoire. C'est ça que ça l'équipe y fait, garde bien son calme, fait si qui tout quelque chose y marche bien. Pour autres remporte sa deuxième set, le score 25-14 et fait victoire de 7-0 l'équipe la digue. Et bon match volleyball de cadre compétition pour bon école secondaire continue demain. Là, c'est bonne fille et garçon l'école plaisant. C'est que Point de la Rue qui pour en action. Match qui poursuit à partir 3-5 à l'école de l'école plaisance secondaire. Après, même là, l'école Montfleury. Montfleury pour rencontrer English River. Encore là, tous les deux filles et garçons pour en action. Bonsoir et merci pour suivre.